Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à checker le Patreon où vous pourrez trouver plein de contenus exclusifs. Il va y avoir un virement Twitch, plus le virement YouTube, plus Winamax. Alors les mecs, je vous dis, je ne fais pas de promotion de paris sportifs, etc. Je suis trop nul à ça. J'ai juste... Les gars, sachez que j'avais 100 euros. J'ai parié au hasard, mais le plus grand des hasards. 12 heures après, j'en avais 2000. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Ça fait des paris au hasard. Littéralement, au hasard. Ça voyait des cotes à 2. Des fois, les gars, je regardais même pas les matchs de basket. Ça envoyait au hasard. On ne sait pas pourquoi. Il y a deux cas qui sont apparus. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On ne sait pas. Hein. Moi-même, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression de les avoir craftés ou de les avoir volés. Peut-être que c'est de l'argent fictif. Effectivement. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec de la, avec comme ça, avec ça sur mon compte, mais je me suis retrouvé avec ça sur mon compte. J'ai peur qu'elle me flashe. Il faut pas me demander comment, pourquoi. T'as fait un combiné? Non, mon ami. C'était même pas des combinés. C'était quoi? C'était France-Angleterre, j'avais 100. J'ai gagné 300 sur France-Angleterre. J'ai retiré 100. Donc non, j'avais 150. J'avais retiré 300, j'avais 150. Je vais dormir. À l'époque, je suivais la NBA. Ça fait plusieurs années, j'ai pas regardé la NBA. Je fais quelques paris sur la NBA. Je mets 100 euros. Je vais aller, je vais dormir. Je me réveille, j'ai 250. Et les gars, je ne me sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vais commencer. Je vois des baskets grecs, baskets turcs. Alors moi, j'ai fait un petit peu de basket. Hein. Je vous rappelle, j'étais à la Tony Parker Adequate Academy. Bon, j'en vois au hasard. Franchement, j'en vois au hasard. Les gars, j'ai fini à 2K. Bon, bah, j'ai retiré 1009. J'ai retiré 1009, j'ai joué 100. J'ai perdu mes 100. Je vais aller, c'est bon. Hier, j'ai perdu. Hier, j'ai même joué un petit peu plus que 100. Hier, j'ai joué 2 ou 3 hein, sur France. Sur France, quoi. Sur le match. J'ai perdu. J'ai fait bon, je ne touche plus au jeu d'argent. En fait, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment j'ai pu gagner 2K. C'est impossible. C'est invraisemblable. Je ne sais pas. Donc, ça me paye. C'est littéralement. Enfin, le premier mois d'hébergement qui est complètement gratuit. Alors, on ne sait pas pourquoi je parle littéralement, tranquillement. Alors, là dites-vous, je suis dans le plus grand décalement en train de jouer tranquillement un match-up qui n'est pas facile en early game, mais tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde? Alors, c'est pas pour être trop hautain, mais imaginez une seconde ma puissance si j'étais tryhard. Parce que là, frérot, on est là, on discute, tu vois, ça clique un petit... C'est les vacances, c'est limite les vacances. Imaginez ma vraie puissance quand je suis à cliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la Riven et la Janna sont là? Je pose trop de questions de vie, les amis. Voilà, moi je pense que je pose trop de questions, tout simplement. On est dans une spirale. I am so confused, my bro. I'm actually so confused. What the fuck is happening? C'est des trucs, frère. Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse. Je perds pas tes sous dans ces conneries. Ben non, frère. J'ai gagné 2K. Je perds pas mes sous. Je t'ai dit, j'ai joué 2 ou 3 le match d'avant. C'était des sous que j'avais gagné. Le match de France, j'ai perdu. À la limite, j'ai 4. Je vais faire quoi, mon ami? Il me reste 4,25€. Qu'est-ce que je vais faire avec 4,25€? Il me reste littéralement 4,25€ sur mon Winamax. C'est terminé le pari sportif pour moi. C'est fini. Je te dis, je sais même pas comment j'ai gagné 2K. C'est apparu. Mec, alors, je sais pas. Il faut me dire, est-ce que vous connaissez des gens, ils font des paris et regardent pas les matchs? Moi, c'est ça. Et le pire, c'est que j'aurais dû perdre tout la première fois. J'aurais dû perdre instant tout la première fois et j'ai gagné sur un point de basket mis à la dernière seconde. Alors, si ça, c'est pas magique. Oh shit, elle est pas morte de ça, really? Donc, tu vois, il y avait... Genre là, j'avais perdu mon pari, j'avais all-in. Il y a temps mort et le mec met un panier à moins de... Bon, bah, sympa. J'ai même pas regardé, dis-toi, hein. Et quand j'ai regardé le replay du match, j'ai vu ça effectivement, je me suis dit, pas mal. Attends, mais... What is he doing? What is this guy doing? Does he wanna die? Does he want to die? I think he wants to die.
I think he is asking to be killed. I think so. I think so too. Je vais en Corée pour des vacances. Ah, la solo queue, mon pote. Hein. Samedi. Ouais, ceci va. Les gars, sachez juste que, encore une fois, ceux qui ont fait God of War auront la référence. Vous avez fait God of War 2 et 3. Voilà, il va se passer la même chose. Il va se passer la même chose. Bon, dans le 2, ça se passe pas très bien. Mais quand vous revenez avec la lame de l'Olympe, est-ce qu'il y en a qui. Est-ce que j'ai des hommes de référence qui ont fait des anciens God of War? T'as vu l'organisation sur place? On m'a filé un compte. On m'a filé un compte. C'est un compte totalement légal, hein, bien entendu. Ah voilà, j'ai eu un compte grâce à mes contacts. Désolé, j'ai perdu ma sérénité, tout va bien à présent. Tout va bien. Alors faut que je réfléchisse à mon pseudo. Est-ce que je mets un pseudo coréen ou est-ce que je mets un pseudo chinois? Alors je pourrais pas mettre en caractère chinois. Hein. Mais caractère coréen, actuellement je peux. Je sais pas si je peux mettre en caractère chinois actuellement. Mais coréen, c'est sûr, je peux. Et il ne lâche pas. Hein. What the fuck? Donc là, t'es en train de me dire que si j'avais pas raté, je l'aurais tué. Mais c'est quoi ces dégâts de... Non, en vrai, mes dégâts me paraissent total. Non, mes dégâts... Arrêtez de dire que mon champion est trop fort. Non, mon champion est tout à fait normal, les amis. Je devrais peut-être être présent à ce Drake, mais j'ai pas de bonne TP. Bon, c'est un 4v4. Bonne chance, l'équipe. Si ça perd, allez, je TP. J'ai quand même envie de m'amuser. Oula, le flash est des arbis, là. Aïe, aïe, aïe. Ok, peut-être que j'aurais dû TP avant, mais je pensais pas qu'ils perdraient autant, tu vois. Je n'aurais pas pensé qu'ils auraient perdu autant ce teamfight. Ah, c'était même pas close. J'aurais pu décaler dès le début. Ça joue, hein. J'ai un perso broken, les mecs. My bad. En vrai, j'aurais dû être là dès le début. Je suis le membre le plus fed. Le fight était même pas close si j'étais là depuis le début du fight. Oh. My bad. Autopilote. En vrai, la Kindred a raison d'être mécontente. Je suis quoi? Je suis en 3. Ouais, en fait, je suis le membre qui a le plus d'impact dans les fights dans la game. Ici, je pouvais juste donner une wave au top et sécuriser le dragon. Mais vu que je suis complètement autopilote dans la game, j'ai pas bien reconnu la situation. Pourquoi je viens de la one shot alors que je suis même pas en mode DPS. Je suis en mode normal, je viens de... Quoi? Quels sont ces dégâts? Quelqu'un a une explication totalement rationnelle à ce que je... Mais je suis le pire joueur de Cassante, je one shot tout le monde, frère. Hein? What the fuck? Oh ouais, mon champion, il... Là, je pense que ce teamfight, j'étais à 2,5, 3 sur 10. En termes d'exploitation du champion. Et regardez ce que j'ai fait. Oula, mais il y a du joli monde ici. Alors, j'aurais peut-être pas dû TP comme ça. J'ai un peu suspect, là, cette game, honnêtement. Hein. Parce que là, je pense que mon flanking était intéressant. Non, mais aussi, on s'amuse pas si les mecs meurent tous. Allez, come on. Il faut que je puisse m'amuser un petit peu également, un peu. Oh, combien? Lui, il a jump. Hein. Alors, dans ce genre de situation, mon champion, il galère un peu quand même. Hein. Il faut avouer qu'il galère un peu. Mon champion, il galère là. Mais vous en faites pas. On a la situation sous contrôle. Regardez, on va la ramener là-dedans. On va faire ça. Comme ça, on ramène lui. On switch le focus. Kiff-kiff. Allez, kiff-kiff dans mes oreilles. Kiff-kiff dans mes oreilles et que ça saute. Non, parce que là, littéralement, on est sur du gameplay une main, une jambe. Et ça, c'est le résultat. Je suis très dubitatif sur l'état de ce champion lorsqu'il est joué correctement. Peut-être un peu broken. Effectivement, peut-être un petit peu.
Genre là, ça fait quoi si je cours sous les tours? Genre. Ils ont ces dégâts. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir 500 fois plus de dégâts que la dernière fois que j'ai joué au KCNT? C'est ça le petit bémol. Là, regardez, on va pas transformer. Là, on va les tanker, on va les tempo. On va pas transformer, mec. On joue avec eux. Après, quand on sera mid-life, là, on va transformer. Mais je ne vous crains pas. Je suis surpuissant. Ne t'étonne pas que je respecte R, R, R. Non, t'étonne pas que je respecte R, R. Par contre, je vais trop m'avoir la fin du fight. Zems. Wallin Sek. J'ai peur de personne, frère. Mon champion est un peu broken. Effectivement, un petit peu. Effectivement, un petit peu. C'est le Wakanda, mon pote. Tout le monde pense que c'était les Nasix. Le Wakanda, effectivement. Oh. La hitbox du Q3 est vraiment généreuse. C'est de la dinguerie, frère. J'ai joué à une main. Comment je peux avoir autant fait de dinguerie cette game? En étant AFK.